Conçues pour les enfants de 2 à 6 ans, les pistes graphiques permettent de découvrir les lettres, les chiffres et de s'entraîner au tracé de l'écriture par une approche visuelle et tactile. En sollicitant plusieurs sens à la fois, la vue et le toucher en creux, la mémorisation des gestes et la reconnaissance des lettres sont facilitées. Avec ces supports, les enfants peuvent acquérir les gestes moteurs et le sens de l'écriture, s'entraîner au tracé des lettres et des chiffres, se préparer à bien tenir un crayon. La collection se compose de 5 pistes graphiques proposant les tracés de base, lignes obliques, vagues, boucles, créneaux, ponts. Les chiffres de 0 à 9, les nombres pairs sont en vert, les nombres impairs en orange, les 26 lettres de l'alphabet en capitale, en script et en cursive, les voyelles sont en rouge, les consonnes en bleu, des stylets pour une approche complémentaire à la découverte tactile. Tous les supports sont en bois verni épais et très résistants. On commence de ce côté-là, à gauche. L'enseignant choisit les tracés adaptés à l'âge et aux besoins d'apprentissage des élèves. Les enfants découvrent les pistes en creux, observent les tracés et les suivent du doigt de manière à faciliter leur mémorisation. Grand pont. Grand pont, et là ? Petit pont. Ils peuvent ensuite s'exercer individuellement en autonomie, autant de fois qu'ils le veulent. Ils acquièrent progressivement aisance et dextérité dans leurs gestes. L'activité peut être menée avec un stylet pour compléter la découverte tactile. Un mot qui commence par A comme avion. L'enseignant rectifie une mauvaise position, la tenue du crayon, le sens du tracé. Les pistes graphiques proposent un ensemble d'exercices guidés sur des supports en bois pour s'entraîner aux gestes moteurs et maîtriser les tracés de l'écriture. Étape indispensable pour aller vers l'écriture avec plaisir.